Ok. Je suis fatiguée. J'ai dit que. On me disait souvent, Esther Majoie, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, Esther, oh, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, oh. Bonne année, bonne année. 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 Oui, elle s'est fait le live sur TikTok, non? C'est la nouvelle année, j'ai fait seulement l'autre jour. On a signalé la dame qui était avec moi. Là, c'est pas moi qu'on a signalé, c'est la dame qui était avec moi. Je vais faire le live sur TikTok, non? On passe sur TikTok. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, oh, bonne année, bonne année. Bonne année à tout le monde. Bon, tata Lolo, la bandite de lui m'a bloqué sur... Ouais, Noël Sophia. C'est comment, mes Lolomania? Oh, Véronique Mas, ma sœur chérie. Bonne année à toi et à la veuve joyeuse. Maman Jean d'amour. Yael Porcelette, bonsoir. Bonne année, les filles. Bonne année, bonne année. Je fais ces petites directs parce que je ne savais pas que les gens étaient aussi bêtes dans les réseaux sociaux comme ça. Je reviens dans les. À cette année, on va commencer le live sur TikTok. Nous allons aller sur, comme je faisais avant, sur Instagram. Je vais reprendre mon compte d'Instagram. J'ai plus de 12 000 abonnés là-bas. Nous allons faire les lives sur TikTok. Mais je vais faire les lives une fois en semaine sur Facebook. Ça sera que le dimanche. Et les autres jours, je serai plus sur TikTok. TikTok, je serai TikTok et Instagram. Je vais activer toutes mes plateformes. L'autre jour, j'ai eu 100 euros sur TikTok. Marlène Jessie, bonjour. Au général, Lolomania, bonne année, ma fille. Bonne année, bonne année. Beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur, santé de fait, longévité. Que cette année soit meilleure que l'année 2022. Que le Seigneur réalise tous vos voeux. Voilà, tout ce que vous n'avez pas pu réaliser en 2022, vous allez le réaliser en 2023. Vraiment, que cette année soit meilleure pour tout le monde. Vraiment, bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne année. Celle qu'on appelle Corinne Mireille, si je te bloque, allez, je pense que c'est elle. Je la vois un peu vagabonder un peu partout avec mon nom. Allez, ciao. Voilà, c'est bien la vache là. Et bye bye. Voilà, je connais tout ce qui. Je vous ai donné rendez-vous dimanche 8 parce que, au départ, je voulais pas sortir des preuves ce qui concerne l'histoire des gélules. Mais vu l'ampleur que ça prend, je vois que au début, je me disais que bon, la fille a dit, on la devait 254 000. Son argent était remboursé. Le même jour, je l'avais donné rendez-vous le samedi 24. Et ce qui a été fait le samedi 24. Et le même jour qu'elle récupère l'argent à l'agence, elle passe à soi dans sa voiture, elle pleure. Elle ne sait pas comment je suis une enquêtrice. De là où elle habite. Et de là où il y a l'agence, la transaction se fait en 45 minutes. Et quand tu regardes la distance de sa maison et la distance de où il y a l'agence et la distance du retrait, tu vois bien que c'est la même personne qui a pris cet argent. Ma chérie, je suis très intelligente. Bonne année, Malice Loé, notre doyenne, notre Malice d'amour, la doyenne de la Suisse. L'incontournable Malice Loé, bonne année, ma soeur chérie. Bonne année, Malice. Que le Seigneur te bénisse. Et encore merci pour tout votre soutien. Vous êtes vraiment mobilisés pour moi. Pendant l'année 2022, c'était pas facile, mais on sort de là vivant. Merci beaucoup. Je suis sûr que c'est dangereux. Oh, c'est Carole Bowen. Bonne année, ma sœur chérie. Bonne année. Aujourd'hui, je vais faire un direct.
Attends, j'aime pas quand on prononce les noms. C'est la dernière fois que tu prononces les noms des gens comme ça parce que je ne le regarde pas. J'ai supprimé ton commentaire et ne reviens plus jamais prononcer le nom de quelqu'un sur ma page. Chacun a les pseudo-noms. Si tu viens ici avec le nom de quelqu'un, je bloque. Je n'ai pas envie de parler de cette personne. Je ne gère même pas. Voilà. Je ne gère même pas. Je ne suis même pas au courant. Quand tu me parles le nom des gens que j'ai même déjà oublié sur Facebook. D'accord? Donc, chérie, s'il te plaît, ne mentionne plus le nom de personne sur mes lives. 2023, là, ce n'est pas l'année qu'on va passer. On a assez duré dans les réseaux sociaux, on a essayé de bavarder. Bon, il est temps qu'on prenne les nouvelles résolutions. Et les nouvelles résolutions, c'est que je ne veux plus qu'on vienne avec le nom des gens sur mes lives. C'est des gens que je ne regarde pas. Franchement, je ne regarde pas les pages. Je ne sais même pas ce qu'ils disaient dans les pages là-bas. Donc, respecte ma page. Bonne année, Mani Estelle Nana. Bonne année, ma soeur. Bonne année, maman. Il y a quelque chose que, tu sais, quand on attrape un voleur, le ringam, bonne année, chérie. Quand on attrape un voleur, le voleur commence à paniquer. Moi, je ne fais pas les choses dans. J'ai fait les choses dans la droiture. Le genre que tu ne peux me. Ah, c'est Corinne. Bon, attends, je te débloque, chérie. Oh là là, comment je fais pour la débloquer maintenant? Non, parce que tu as fait. Oh, excuse-moi, Corinne. Excuse-moi, ma chérie, je t'ai confondu à une autre personne. Je vais te débloquer. Je vais te débloquer de suite. Alors, bonsoir. Maman, je suis estomaquée. Tu viens de me bloquer dans ton groupe là que j'étais insultée. Oh, maman, moi si, moi Corinne si. Je vais te débloquer, ma soeur. Je me suis trompée. Excuse-moi. Je vais te débloquer. Attends, je vais me faire comment pour te débloquer. Attends, je vais regarder. Comment faire encore pour débloquer sur les pages? C'est ça que je n'aime pas débloquer quelqu'un. Quand je bloque quelqu'un, après j'ai des difficultés pour débloquer la personne. Oh là là. Après, je commence à avoir des difficultés. Comment faire pour débloquer Corinne? Je me suis dit qu'elle me parlait mal. Oh, je vais entrer dans mon compte. Donnez-moi quelques minutes et je cherche à débloquer Corinne là. Oh là là. Comment faire maintenant pour débloquer? Je n'aime pas bloquer les gens, moi. On fait comment même pour débloquer ici, maintenant? Oh là, c'est compliqué, hein. Je vais demander à mes gars là, de débloquer. Moi, je ne sais pas comment débloquer. Je sais, mais à chaque fois, Facebook, là, ils changent leur truc, là. C'est qui m'énerve souvent, sur eux, là. Ils ont changé encore le système alors que je me débloquais avant sans problème. Restez, hein, je vais vous expliquer quelque chose. Oh, Facebook, ça devient trop compliqué. J'aime pas. Il complique déjà toutes les choses. C'est comment? Hein? J'ai débloqué la pauvre, je ne me suis même pas rendu. Oh, comment je vais débloquer la fille là maintenant? Ils exagèrent, ils exagèrent. Non, Malin, d'ici, je ne peux pas te bloquer, je te connais. Je ne connais pas quelqu'un que je. Mais même Corinne, je la connais, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas bien cerné, quoi. Corinne, on va essayer de. Les gens de Facebook, ils changent tout. Ils changent tout. Bon, attends, je vais retrouver peut-être. Les gens, si ils changent souvent les choses dans leur truc, si que toi-même tu vois encore que c'est comment paramètres. Bon, on va voir ça après, ma chérie. Corinne Dongata. Tant Corinne elle est gentille avec moi, je te jure, je la connais. C'est vrai que quand elle m'a appelé là, que je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur, quoi. Quand je vais pour débloquer Corinne. C'est ça qui me. J'ai dit que Facebook, il change tout. Hein? Zuckerberg, là. Bon, on va débloquer Corinne après. Julienne et Banga, épousée et Yébé. Bonsoir. Yémé, bonsoir. Il y a quelque chose que, tu sais, quand tu vas attraper une personne, hein, la personne commence à paniquer. Clarisse.
Tu oublies que ça, c'est ton nom ici. C'est ton WhatsApp. Tu oublies. Je ne te donne même pas les plans. Laisse, tu restes comme ça. Tout à l'heure, je vais vous remontrer le mail. Le mail que tu as. Partagez le direct là parce que je ne veux pas effacer. Parce qu'ils ont dit qu'on n'a trafiqué rien. Vous êtes tellement bête dans les yeux. Parfois, je me dis, mais pourquoi tu peux mettre ton temps à m'expliquer aux gens qui ne vont jamais comprendre. Voilà, on va partir dans le mail. Oh là là. Voilà. Bon, c'est où mon compte là? J'étais. Bonsoir Fabrice, comment tu vas mon petit? Bonne année petit. Bonne année oh. Bonne année, que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne beaucoup d'argent, santé, que tes voeux se réalisent en 2023. Mon petit. Attends. Ouais, assaut final. Est-ce que je tremble quand moi je fais mes choses? On lui a dit qu'il va porter plainte. Il va porter plainte. Oh, je sais pas. Oh. J'ai même oublié ma boîte mail. J'ai peur de ne pas retrouver. On va faire ça comme ça. On va aller ici. C'est comment, Loman? Andigue. Tchofia. Je sais pas trop. Le parenté m'échappe souvent. J'ai même appris le petit parenté là chez mon grand-père. Chez nous, à Kibi, là, est-ce qu'on parlait de notre parenté? Voilà. Voilà. Qui m'envoie le mail? Oh là là! Ouf, j'ai oublié ma voix, mais le mot de passe. Oh là là. Dieu merci. Joséphine Zateba, bonsoir. Ils envoient encore le code de quoi? Les gens de Yahoo aussi dérangent. Hein. Quel code de vérification?
Bonne année à tout le monde. Encore nouveau. Ah, aujourd'hui, j'ai d'abord mis une autre boîte, mais maintenant. Bon, on y va. J'ai trouvé ce que je cherchais. J'aime pas quand on voit mes choses. Ça, c'est ma boîte mail. Voilà le message derrière. Le message derrière. Le 31. Le message derrière. Je vais cliquer sur ce message-ci. Je suis fatiguée de vous montrer ça. Voilà, je clique sur ça. Oh. Voilà le message derrière. Parce que j'ai revendiqué que la personne n'a pas dit n'avoir pas pris l'argent. Alors, Ria, ils étaient là toute la semaine. Quand j'appelle Ria, j'écris au téléphone sur eux. Ils m'ont envoyé. Voilà le numéro du transfert. Voilà les pièces jointes. Je ne sais pas où j'ai pris son récépissé. Où vous dites que j'ai pris ça. Vous allez voir. Ça, c'est le bordereau où elle a signé. Vous voyez bien que c'est les mêmes signatures. Là, là. C'est les mêmes signatures qui prouvent qu'elle a pris l'argent. Voici son nom ici. Ah, le téléphone, tu me fais souvent chier. Voici son nom. Voici son nom ici. Elle a pris l'argent le 24 décembre. Elle a la même heure. Donc, quand elle faisait le direct dans la voiture, quand elle pleurait là, elle avait déjà pris l'argent. Elle avait déjà pris l'argent quand elle faisait le direct dans la voiture. Ça, c'est le bordereau. Voilà mon adresse. Voilà mon nom. Voilà. Ça. Le 24 décembre. Je vais vous dire pourquoi j'ai lancé le direct. On retourne maintenant. Ils n'ont pas, ils m'ont envoyé ces pièces parce que je dois porter plainte. C'est ce qu'ils m'ont dit si je veux porter plainte. Voilà son récépissé. Voilà le récépissé. Les gens se limitent là. Les gens me demandent que pourquoi le 3001. C'est un récépissé qui a été prolongé. C'est un récépissé. C'est la date de la prolongation du récépissé. Vous voyez bien ici qu'il y a la photo. Regardez. Oh, ça ici. Ici. Il y a la photo. Les signes du Cameroun. Voici ça ici. C'est un récépissé. Ici. Là. Là. Voilà le truc du Cameroun là. C'est le logo, non? C'est le logo du Cameroun. C'est le même logo qu'il y a ici. C'est un récépissé. Qui a été, quand on prolonge le récépissé, on prolonge ici. Dans la date d'inspiration, c'est le 30-01. Voilà sa signature. Et quand tu as le récépissé, quand tu peux prendre l'argent, arrive avec un récépissé, tu signes trois fois. Elle a signé ici, signé là, signé là. Elle a récupéré là, le 24, le cachet là. Elle a dit que je suis sa cousine à cause de la maladie. Voilà ça. Vous ne faites que demander que nous sommes le. Les gens sont tellement bêtes dans les réseaux sociaux. C'est un récépissé. C'est la date de péremption ici, ici. Voilà. Je reviens ici parce que je voulais aller dans la boîte mail pour vous dire que j'ai pris ça de la boîte mail. En tout cas, on va bien faire ça dimanche. Ça, c'est la boîte mail. Voilà le message de Ria. C'est écrit. Ria peut me porter. C'est vrai le nom de la personne. Lenangé. Je peux vous connaissez mon nom. Non. Appelez Ria, vous demandez. Ils vont vous dire que ce sont ceux qui m'ont envoyé. Voilà ça. Tout est là. Voilà. Merci de trouver attaché la preuve de paiement de la transaction. Voilà le numéro du paiement. Voilà ça ici. Et je vais vous montrer le même numéro sur la transaction que j'ai faite l'autre jour. Retenez bien ce numéro. Voilà. Et on m'a demandé, je clique ici. Voilà sa photo. Quand vous me demandez le 30, le 30 c'est le récépissé qu'on a prolongé. Donc la date limite ici. Ils ont photocopié là. Voilà le récépissé qu'on a photocopié. Et ici maintenant, ils ont mis le numéro de la personne qui a envoyé l'argent. Mon nom, le numéro de bordereau, mon nom. En lettres, les chiffres et tout, tout, tout. Voilà ça. Vous êtes tellement bête. Vous avez un problème, hein. Il faut souvent vous renseigner quand vous faites des choses. Ça sert à rien de vous. Vous croyez que moi, je peux m'amuser avec la loi. Je me suis renseigné avant de publier ça.
Je me suis renseigné, c'est pas moi qui me. Si il faut porter plainte, là, j'allais porter plainte à mon grand. Pourquoi ils m'ont donné ces documents? Je n'ai pas pu s'agir au Cameroun. Comment je peux pas avoir ces documents? Vous voyez que c'est la même signature sur le contrat qu'on avait fait. Productrice des gélules. Comme elle a dit qu'il n'y avait pas de contrat. Je vais vous dire, hein, c'est pas si ça. C'est la même signature. La même signature ici. On avait signé le contrat. Hein. Voici ma signature ici. Voilà. Et c'est, je vais demander qu'on la voie 1 500 000. Les transferts, tout est là. Hein. Moi, je ne fais pas les choses que. Mamie, on va caler en justice là. Peut-être quand tu dis justice, quoi que j'ai peur, on va caler. Quoi? Oh. Peut-être tu ne me connais pas quand j'ai raison. Hein. Tu peux me tuer seulement quand j'ai raison. Même si tu montes, tu descends. Je signe sur toi. Peut-être tu as entendu le mot. Peut-être quand vous faites aussi là parce que tu dis que peut-être tu es temps. Tu as fait peur à quelqu'un. Non, tu mens. Le Cameroun n'est pas ça. Il n'y a pas une histoire de temps au Cameroun. Le Cameroun, ça appartient à tous les Camerounais. Ah oui. On t'a attrapé. Voilà, je reviens ici. Voilà ça. C'est son récépissé ici. Ça, c'est la date. Ça, c'est le. Ça, c'est l'inspecteur de police qui a signé la date limite du récépissé. Quand on a prolongé, regardez bien. Voilà le logo du Cameroun ici. L'agence rien ne peut pas avoir un logo du Cameroun. C'est le même logo qu'il y a ici, là. La même chose, là, au milieu. C'est le même logo. Voilà le même logo, là. Donc, c'est un récépissé. Quand c'est moi-même, je suis le récépissé du Cameroun. Je vais fouiller ça, mes affaires, vous montrer qu'on avait prolongé. C'est comme ça qu'on prolonge. On prolonge de même une date. Donc, ça finit le 11. Ça finit le 30 1er 2023. Voilà ça. Non, 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 mais il faut arrêter. Non, 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 il ne faut pas me dire que je ne dois pas me justifier. Non, non, ça y est, le nom de l'homme. L'autre, là, je refuse, ma. Parfois, le silence tue. Il ne faut pas faire ça. Si je ne m'étais pas battu, si je vous avais écouté, je n'appelais pas rien. Non. Voilà. Maintenant, ils sont. Non, 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 non. Là, j'ai. Je ne veux pas que tu viennes me dire ça, chérie. Je suis désolé. Dans les réseaux sociaux, parfois, il faut. Non, 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 il faut arrêter ça. Je me justifie. Laisse, je me justifie. Après, on va aller en justice. Laisse. Voilà ça. C'est cession, c'est signature. Elle a signé 3 fois. Elle a bien récupéré l'argent là-bas. Elle a bien récupéré ça. Voilà ça. Et maintenant, elle dit qu'elle a que reçu. Elle a que reçu. Elle a que reçu. Si c'est 2 500 000 de ma part. C'est les filles-là qui l'entraînent. Ce sont ces filles-là qui l'entraînent. Je sais. Ce sont ces filles-là qui l'entraînent. Moi, j'aime pas quand on vient me dire que pourquoi tu te justifies. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Hein. Il faut faire très attention. Parfois, c'est bien de parler. Ah, c'est toute une histoire d'argent comme ça. Tu ne dis rien, tu t'accuses. Hein. Faut pas. Faut pas dire que je me justifie. Je me justifie quoi? C'est trop facile. Elle dit que j'avais commencé la vente des gélules sans lui dire que j'avais fait. Voici nos échanges. Elle met seulement un peu. Je vais juste vous montrer où elle-même a dit que mon petit, il faut lui envoyer 1 500 000. Puis ce que j'ai demandé à envoyer, ça dépasse déjà ce qu'elle a mis comme compte. Elle croit que j'ai tout, hein. Tout. Même nos conversations, tout. Même quand j'ai fait un acheter, un le fait. Ça, c'est quand elle me rencontre la première fois le 15 avril. Ça, nous allons bien faire ça. Nous allons bien faire ça le dimanche. Ne me dérangez même pas. Je ne veux pas que quelqu'un me dise que pourquoi tu te justifies. Je ne veux pas ça. Voilà. Voici le départ. Où elle m'envoie 100 000 au Cameroun. C'est ici. Là. Où elle m'envoie 100 000 au Cameroun. Et puis. Voilà, on va jouer, aller d'où on commence la vente des gélules. D'où ça commence, parce que c'est comme ça qu'il va faire le jour là. On va prendre le temps. Voilà. Ça. Je vais pas me dire que. Mais je ne donne pas tous les détails, moi. Quand elle m'a envoyé les gélules, tout est écrit. Hein. Si elle a envoyé un, c'est écrit sur le WhatsApp. Voilà ça. Oh, bonjour, tata. Je laisse les gélules à 35, mais voilà. J'ai dit 30, 30, c'est 50 euros. Je vais vous dire où elle est. Voilà. Elle me dit que oui, prends. Tu vas en 10 000. Attends. Tout est là. Tout est là. Je vais vous montrer le premier transfert.
Non, le son dimanche, pardon. Je n'ai pas envie de vous donner les balles. Je vous laisse vous embrouiller. Jerry, ça ne finit pas quand elle dit que l'Angola, elle a un problème. Peut-être qu'elle a un problème. Hein. Il y a les gens comme ça. Il y a des gens qui ont des problèmes. Hein. Ah oui, peut-être. Hein, je me dis hein, que peut-être elle a perdu son WhatsApp. Elle n'a plus le même WhatsApp que j'ai. Ou elle a un autre WhatsApp. Hein. Sandy, j'ai rassemblé tout ça. J'ai rassemblé depuis l'autre jour avec la reine mère de Loma. Tu n'as pas vu mon post sur la page? Tu n'as pas vu mon post? Attends, je m'en vais chez Julien Zombie. On a déjà rassemblé tout. Tu n'as pas vu le post où j'ai mis les captures d'écran? Hein? Tu n'as pas vu les posts. On a déjà rassemblé tout. Tu vois, quand moi je parle, c'est que j'ai tout rassemblé. Tout. Voici le dernier transfert de 54 000 qu'elle nous dit. Qu'elle nous réclamait, on lui a donné. Voilà ça. La reine m'a envoyé ça l'autre jour. On a déjà tout. On a déjà tout, 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 tout. C'est qui ça ici? C'est qui? C'est pas grave, Black Beauty, c'est pas grave. Putain, je vais un peu, je vais m'embrouiller. On a déjà tout. On a restreint ta page comment, Black Beauty? Faut faire attention à les pages. Oh. Même dessus là, il faut attention à mes pages là. Voilà ce qu'on a calculé au total qu'elle a perçu dans nos calculs là. Ça n'a rien à voir avec les envois de rêve de ça n'a rien à voir avec les envois de rêve MBI. Rien, ça n'a rien à voir. On a tout calculé, mamie. Tout, on a déjà tout calculé. Tout. Tu as eu au moins 8 bâtons. Et toutes nos échanges, le dimanche et les 5, je serai concentré. C'est-à-dire que je vais tout ce que tout le monde a parlé dans WhatsApp. Je coupe, je relance. Je coupe, je relance. Je coupe, je relance. Je coupe, je relance. On t'a envoyé chez moi, non. Tout ce que tu as fait, j'étais très prudent, maman. Oui. Et on a eu 140 paquets qui chômaient. Toi-même, tu as dit que un acheté, un offert. J'ai fait le flair, j'ai déposé sur la page. Oh. On a fait un acheté, un offert. Tiens, tata le louvre, mais il faut qu'on liquide. Tout est sur la page, moi. Donc, quand tu vas aller en justice, on va partir en justice sur la tombe de ma femme. Peut-être que tu ne me connais pas. On va que go. Je vais vous montrer le flyer. Elle-même, elle voyait tout. On a dit qu'on me fait le sixième. On ne me fait pas le sixième. Bref, c'était pour un petit direct pour essayer d'ouvrir le cerveau des gens qui disaient qu'on a truqué le récépissé. Le récépissé, c'est comme ça qu'on fait au Cameroun. Quand on prolonge le récépissé, on écrit et on signe en bas. Donc, c'était pour ça. Le reste, c'est dimanche. J'ai déjà tout rassemblé. Soyez connectés. Dimanche 8, et je n'en parlerai plus. Jusqu'au jour où la justice me demandait que je vais envoyer mon avocat. Point barre. Voilà. Tes doigts 6 millions. On t'a dit de venir escroquer Mbengueté qui t'a fait gagner l'argent. Qui t'a envoyé? T'a envoyé comme Wafouvo a tout piqué et pas en prison, comme elle a les séquelles d'une gata. Ça peut la tuer. Ça peut la tuer parce qu'il dit au monde entier qu'elle est partie en prison pour vol. Moi, je n'ai escroqué personne. Personne. Voilà. Sandy, ce n'est pas moi qui ai amené ça sur Facebook. Va t'adresser à la personne qui a amené sur Facebook, ma chérie. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas là pour amener les gens sur la toile. Je suis désolé.
J'allais gagner l'argent à la télé. Genre. Tu m'as vu parler de ça sur Facebook. Est-ce que j'ai même envie de parler de ça? Voilà le flyer. J'ai eu la maigrissant. Un acheté, un offert. C'était sur la page à cas ouvert. Toutes les clientes ont eu un acheté, un offert. C'était 140 jolis. On a fait un acheté, un offert. Donc divisé par deux. Ça a fait rester 70 qu'on a fait un acheté, un offert. Voilà ça. Mamie, allons en justice. Et je vais te montrer où toi-même tu dis que oui, t'as le lot liquide. Un acheté, un offert. Je vais te montrer. Voilà. Je ne parle plus trop. Maintenant, c'est tout. À dimanche. Je voulais juste maximum mettre en tête aux têtes percées là que j'ai fait pour dire que. Non. Dimanche 8, man, je laisse les gens péter. On vient de fêter, non? Est-ce qu'on va commencer l'année avec les clashs, avec les bavardages? Non, non, non. Et les flyers que tu vois là, je payais pour qu'on me fasse ça. Je payais pour faire les flyers. C'est toi qui payais les flyers. Non, c'est pas toi. Promotion, c'était là. C'est encore même sujet. J'ai même partagé ça sur la page à toi, ouvert, que je voyais la date. Et les gens restaient avec 140 paquets. Ça ne bougeait pas. Tous mes flyers, je paye pour qu'on me fasse. Hein. C'est quelqu'un qui me fait le flyer. Je peux me payer pour faire ça. Je peux me payer pour faire ceci. Tu as gagné l'argent. Puis, si elle compte pour rêver bien, tu dis que tu as donné les jeux à mon petit frère de vendre. 5 paquets de jeux, tu dis que tu as donné. C'est le commerce là-bas. 5 paquets, c'est parce que les gens commandaient au Cameroun. Tu disais que tu n'avais pas le temps d'aller expédier à Yaoundé. C'est ça que je dis qu'à donner à mon petit frère, ça peut l'aider même pour son argent de poche. 5 paquets, 10 paquets, tu dis que tu dois vendre les jolis à 10 paquets. Je ne peux pas vous me faire souvent rire. Il a pris combien de fois? Une fois. Ou c'est deux fois. Il a pris 5 paquets. Deux fois, tu as 10 paquets. Donc, il vivait les 10 paquets de jolis. Qu'il n'a même pas pu finir le 10e. Il a remis les 6 paquets qui lui restaient. Donc il a vendu peut-être 4 paquets ou 8 paquets de tes jolis. Vraiment. Moi, les Camerounais. Un petit gars qui est au Cameroun, il dit que ouais, comme les gens m'appellent du Cameroun pour livrer les jolis, il dit que comme il est au Cameroun, il fait, il travaille. Ça peut le donner pour son taxi pour aller au travail le matin. Tu l'as envoyé d'abord 5 paquets. Il a vendu, tu l'as envoyé 10. C'est calé entre ses mains. C'est moi qui est venu prendre. On a venu ici à Paris pour qu'on doit finir ça. Tu parles d'affaire de que mon petit frère travaille, toi, pourquoi? J'ai demandé ici là que les gens qui veulent faire, qui veulent replanter les jolis, personne ne s'est prononcé. J'ai dit que, ah, comment appuyer ça en Allemagne? Elle peut vendre cela. C'est moi-même qui peux pouvoir m'appuyer. C'est que le père refuse, mais je force. Tu es folle. C'est le début, hein. Quand il va te sortir ma part de preuves, tu as dit que tu as les preuves, non? Jusqu'à là, j'ai dit que tu es bouffé. Tu n'es jamais bouffé. Quand on a commencé avec la fête qu'on a dit que on paye. Tu as donné 100 000, tu mérites ta lolo. Fais le contrat. Fais la publicité une fois par semaine. Tu me mets les chelous. Je te dis que moi, j'étais au Cameroun, j'étais un gamin. La fête, je n'avais même pas encore. Il y a quelqu'un qui a même dit que c'est quand il y avait la fête de, que j'avais les pauvres au Cameroun que tout le monde a commencé avant. Pardon, dis-leur qu'on a commencé avant. J'étais même déjà rentré en France. Donc, l'histoire du Cameroun n'était même pas encore. On n'avait même pas encore envisagé. Tu as vendu, qui a envoyé 10 paquets, j'ai vendu 15 paquets, je t'ai dit que non, ma, on doit vendre pour que je dois avoir mon bénéfice. Tu as dit que, okay, que je vends à tel prix, dont le reste là, même s'il vend à 100 euros, même s'il vend à 200 euros, ça me regarde. C'est dans tes voices, hein. C'est pas un truc que j'ai tout. Voilà. Après, j'ai vendu, je t'ai envoyé ton argent, tu recevais bien, tout est écrit. Tu as dit faire les soldes, il restait 144 paquets, on a fait les soldes, on t'a donné ton argent que tu devais avoir. On ne te doit rien. Jamais, jamais, tu dis que 250, mais comme t'es, les gens sont venus te mettre à la tête, tu parles, tu dis 6 millions, qui m'a donné 6 millions, il faut faire 10 ans de prison que tu donnes les 6 millions, sur la tombe de ma femelle et mon père, le 1er janvier qu'on te dit là. Moi, je n'ai pas peur de la prison, je jure sur tout ce qui est plus cher. Moi qui, monsieur Gauzier, j'ai bavardé les yeux, tu te lèves, tu dis que quoi, que tu as seulement eu combien? Mais la fille est sérieuse. La fille a peut-être un problème, hein. Moi, je ne vous mens pas, hein. Elle peut avoir un problème, hein. Hé, hey, je vous mens. La fille,
Ouais, Lolo, pour y aller sur le Facebook. Maman, c'est que l'Angara est dans le commerce. Elle veut que vous venez regarder ses dires. Elle veut vous attirer sur sa page. J'ai compris. Ah, c'est que dans l'envoi, il y a même pas un envoi où j'ai envoyé même 1 million. Hein. Même 1 million 500. Mais il n'y a pas. Dans ces preuves-là, il n'y a même pas un endroit où j'ai envoyé 1 million 500 000. Il n'y a pas où. Alors qu'elle a eu 1 million 500 000. Non, la galère, elle est dans le marketing, ma. Yeah, maman, elle est dans le marketing, hein. Maman, donc depuis que tu publiais à peu un endroit où tu m'as envoyé, c'est 1 500 000, alors que toi-même, tu as dit dans le dernier label qu'elle avait envoyé 1 500 000 à ton petit frère. Et vraiment, la fille, je ne vais plus jamais avoir confiance aux gens qui parlent avec les bouches mielleuses, elle a plus jamais. Je me fais avoir quelqu'un qui aboie comme moi là. Hey! La fille a dit que j'ai dit, j'ai ri jusqu'à mes côtes, on peut se casser. L'Angala, peut-être a un problème. Non, on rit comme ça, peut-être la fille a un problème. Hein. Elle a un problème. Tu dis que ça va aller en justice. Qui t'a permis de mettre mes captures d'écran sur la toile? Tu m'as dit, je vais mettre une capture d'écran. C'est toi qui as commencé à mettre les captures d'écran de moi sur la toile. Hein. Avant d'aller te dire que je suis là, je n'ai pas ta pièce d'identité. Hein. Je ne sais, quand toi et moi on a signé le contrat, tu avais la carte d'identité. Ouais, j'ai ça. Après, ta carte d'identité est payée, tu es parti faire maintenant. Mais tu veux que je te piège? Tu veux que je te montre ce que je suis capable de faire? Que tu es une grosse menteuse. J'ai encore beaucoup de preuves, toi que je ne peux pas dire ici. La preuve, c'est que genre, bon, je sais que tu es tombé dans un piège que tu ne peux même pas imaginer, que tu es venu mentir. Et quand tu me mens, moi, je suis capable de même d'aller même en prison parce que je vais rester dans ma vérité. C'est ce qu'il avait fait au monsieur là, au Cameroun. Il est venu dire que je l'ai insulté. Il a dit que papa, même un héros, il ne te donne pas. Il ne t'a jamais insulté. Au final, il a lui compris. Il fait sa vie, moi, il fait ma vie. Je n'ai rien contre lui. Voilà. Maintenant, moi, tu es un récépissé. Il n'y a même pas le temps de zoomer. C'est un récépissé. Au Cameroun, quand on fait la programmation du récépissé, tu as le logo du Cameroun là, le truc du Cameroun là sur les papiers. Vous voyez bien, tu m'as dit que 2023, 2023, c'est en bas qu'elle a signé. C'est elle qui a pris l'argent là. On te peut te tuer. Si tu crois que tu n'as pas pris l'argent, elle va porter plainte derrière. Si tu es une femme, va porter plainte à l'agence là, ils voient. Va entrer dans l'agence là, tu leur portes plainte. Parce que, hein, ils peuvent te ressortir encore. Je vais te ressortir quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Tu as dit que tu m'as envoyé l'argent, non? Hein? Je t'ai envoyé 1 million de francs dans la même agence. Et je vais te sortir encore ta pièce que tu avais avant, ta carte d'identité que tu avais avant. Je vais te ressortir les preuves que tu as deux pièces maintenant. Tu as compris? Je vais te ressortir ta carte d'identité. Quand je dis que à l'époque là, quand j'étais vu chez la mère de mon gars, tu avais la carte d'identité. Je vais te ressortir ça. Voilà, parce que demain va encore appeler. Il avait dit que tu as dit que tu n'as pas touché les 1 500, 600, 700 euros que je t'avais envoyé à tel mois que je veux les preuves. Ils vont m'envoyer encore ça. Je vais renvoyer ça pour 8. J'ai renvoyé le direct ici pour samedi, pour ça, parce que demain matin, quand je me réveille, j'appelle encore les gens derrière. Je n'ai plus le bordereau là, mais je vais appeler le gars qui envoie là, c'est ma personne, je vais lui donner seulement ton nom. Il va me ressortir ton bordereau. Et à partir de ça, je vais appeler les gens derrière. Je vais dire aux gens derrière que j'ai le litige avec la personne ici. La personne ici m'accuse partout que j'ai volé son argent. Je veux encore qu'on m'envoie les preuves de ses pièces identiques. Vous m'envoyez encore. Je vais te montrer ta carte que tu avais avant et le récépissé. Rendez-vous le 8. Tu ne me connais pas. Hein? J'ai bouffé son argent. N'importe quoi. Pourquoi le prix tu payes? Tu veux que tu payes? Je ne sais pas pourquoi. Comment vous allez découvert? Oh, camarade Luismi, j'ai pensé à t'envoyer un voice tout à l'heure. Je te dis même pas. J'ai pensé à ça. J'ai dit que j'ai envoyé un voice. J'ai oublié Luismi. Dans ma tête, c'est dans ma tête que j'ai oublié ma camarade. Je vais l'envoyer le voice. Je vais t'envoyer ça. J'ai envoyé à tout le monde. Je te dis qu'un jour, Julie. Julie, qu'on dit que la sorcellerie, voilà Ria qui a baissé les fesses de la galade. Mais elle dit qu'elle a un. Elle ne savait pas que. Tu sais que c'est les filles qui suivent Facebook. Comme on leur avait souvent dit qu'Aria, quand tu pars
On vient dire que tu n'as pas pris la langue. Elle voulait faire la même chose que Francis Bobolola avec Aline Jomo. Tu vas parler comme Francis avait dit qu'il n'a pas touché la langue à Ria. Elle a voulu faire la même stratégie. Elle oublie que Ria, ce n'est pas un truc du Cameroun. Ria, c'est international. Ils ont leur secteur. Oh, bonne année, Fonfon. Bonne année, ma soeur. Vous êtes malade. Les gens n'ont plus l'argent quand. Tu es folle. Quand on te remet l'argent à Ria, vous aimez souvent comment? Hey, je vais te bloquer, pardon, je te bloque. Lolo, pourquoi? Hey, elle est où? Lolo, pourquoi tu ne penses pas que c'est les gens de Ria qui. Ah, dégage, dis donc. Ouf, qui bouffe, dégage. Je vais même aussi bloquer ceux qui ont liké. Voilà. Je vais bloquer la personne qui a liké. Attends, je passe sur les commentaires de cette fille. Moi, je fais maintenant comme ça. Je vais bloquer ceux qui ont liké. Là, vous allez encore venir liker demain. Attends, je m'en vais là-bas. Voilà, je bloque celle-là. Allez, bye bye. Tu crois que vous êtes caché? Je vais bloquer même ceux qui ont liké parce que vous venez avec la sorcellerie. Allez, patron, je te bloque. Je ne commenterai plus jamais dans mes lives. Ceux qui likent, que c'est une affaire que vous voulez m'amener. La honte vous prend maintenant. Vous commencez à dire que les gens derrière ont fait que. Les gens derrière ont fait quoi? Allez, bloquer. Tous les gens qui. Allez, ciao. Tu viens encore commenter sur ma page. Ciao, dégage. Quelqu'un a voulu maintenant, comme la honte. Voilà les Elisabeth Ngo. Ngo. La haine. Toi-même, tu vas partir. Tu vas encore commenter un jour sur mon direct. Même regarder, je te bloque. Mais j'appelle si tu crées un faux compte, tu n'entres pas avec. Voilà. Tu vas seulement me regarder. Attends-moi dans les pages là pour aller m'insulter. Allez. Toi aussi, parti. Bye bye. Encore venir liker les commentaires. Chouan. Je vais te dire comment ça se passe, Aria. Peut-être tu n'as jamais pris l'argent, Aria. Comme vous aimez souvent accuser les gens. Aria, quand tu viens, tu donnes le numéro du bordereau. C'est quand tu décaisses l'argent quand ils te font signer le papier. Tu as compris? Idiote, va. C'est quand tu décaisses. Mais tu connais pas Aria. Moi, je connais Aria. C'est quand tu décaisses qu'ils te payent. Tu décaisses, ils signent. Elle a pris. Je me dis maintenant que tu n'es pas sûr que ce sont les gens derrière qui ont pris. Quels gens derrière qui ont pris? Je vais te montrer comment ça se passe. On t'a jamais envoyé l'argent un jour depuis que tu es né. Vous n'avez pas m'envoyer les étoiles. Ah, c'est quelle machin, c'est ça. Vous croyez que les gens derrière là sont bêtes? Ici, sur le document-ci. Sur le document-ci. Les gens derrière n'ont rien fait. Sur le document-ci. Regarde. Quand tu vas à l'agence récupérer ton argent, tu as compris? Si quelqu'un qui a volé ça là, l'agence là, quand on te donne l'argent, quand tu as donné ta carte d'identité, ils ont tapé ta carte d'identité, ils sortent l'argent. Ils sortent maintenant le bordereau, s'ils te donnent, ils remplissent ça, tu signes. Tu signes avant qu'ils te récupèrent, ça, ils mettent l'argent, ils te donnent l'argent, tu pars. C'est comme ça se passe. C'est passé ça ici. C'est signature. Tu signes trois fois. C'est comme ça se passe. Elle a récupéré. Si elle n'avait pas récupéré le papier, ça ne devait pas sortir. Tu as compris? Ça ne sortait pas. Quand tu prends l'argent à rien, c'est que tu vas tout déstructurer. Quand tu parles à l'argent, tu dis, tu donnes ta carte d'identité, on tape, tac, 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 tac. Quand on tape, tac, 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 c'est quand on sort l'argent pour te donner, quand on te remet l'argent maintenant, on remplit tout de suite devant toi. Tu signes et ils tapent le cachet, te remet. C'est comme ça, ils mettent en bas. Tu es quand vous ne jamais parti à l'agence, Ria, vous venez parler, elle a touché cet argent, c'est la honte. Moi, je pars à Ria tous les jours toucher l'argent, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Avant de te remettre le papier, si. Avant de te remettre l'argent, tu signes d'abord ce papier, puis on te remet l'argent. Donc la personne a imité sa signature. Voici la même signature. C'est la première fois qu'elle est d'abord partie là-bas dans l'Oria. Là, elle a récupéré l'argent avec sa carte d'identité. C'est-à-dire que le style d'Oria avec les numéros sont différents. La carte, j'ai la carte d'identité, je vais publier ça. Je vais avoir ça cette semaine, je vais appeler les gens derrière. Elle a dit que je ne l'ai jamais envoyé. Je vais vous montrer, j'ai envoyé 1700 quelque chose d'euros à cette fille, toujours dans la même agence, avec la carte d'identité. Vous n'avez pas encore pleuré. Voici la même signature ici. Ils sont réceptifs ici. C'est elle ici. Voici la même signature ici. Pareil là.
pareil là, la bandit pas. C'était le 24 décembre, comme j'ai dit, ici là. Ça, c'est le ça c'est la date d'expiration de son récépissé. Ça n'a rien à voir. Voilà le logo du Cameroun. Donc, ils ont filmé, ils ont photocopié le récépissé, madame. Donc, on a prolongé son récépissé. Mais la traduction, Florence, ce que j'ai vu, c'est là, c'est la RIA de France. Tu vois que c'est RIA de où? C'est RIA de France qui m'a envoyé ça. Ils m'ont envoyé ça par mail. Ils m'ont envoyé ça par mail. La RIA du Cameroun, ils ont refusé de m'envoyer. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas m'envoyer parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. Il n'y a que RIA de la France qui m'a envoyé ça. Ce sont eux qui m'ont envoyé ça par mail. Tu vois qui m'a envoyé? C'est pas, c'est RIA de France qui m'a envoyé. Voilà ça. Comment tu dis encore? En tout cas, quand vous venez, c'est qui me. Comment dit même quelqu'un? Comment? C'est RIA de France qui m'a envoyé. J'ai appelé RIA du Cameroun. Ils ont refusé de m'envoyer ça. Ils ont dit jamais. Il n'y a que RIA de France qui peut m'envoyer ces documents. Et RIA de France va le contacter. RIA de France va contacter les gens du Cameroun. Les gens du Cameroun ont envoyé ça. RIA de France m'a envoyé. Voici ça. C'est elle qui a touché. Quand tu pars RIA, tant que tu n'as pas le papier, on ne peut pas prendre ton argent. C'est elle-même qui a touché ça. C'est elle. Voici ça. Les signatures. Quand on dit que, oh, regardez les idiotes, oh, nous sommes le 30-0. C'est la date d'expiration de ça. Ça, c'est son récépissé. Tout le papier, là, c'est le récépissé. On filme, on photocopie ton récépissé, on écrit en bas, tu signes, tu y mets le papier de là, tu pars. N'importe quoi. Voilà ça. Vous avez encore parlé de l'autre quoi. Maintenant, c'est plus ça, maintenant c'est 6 millions. C'est plus le seul, maintenant, l'affaire de 240 millions. Ok. Maman, j'ai dit, les Camerounais vont me tirer. Je crois que cette dame voulait attirer la compassion des gens. Maintenant, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça, je dis, maintenant, c'est que. C'est... 1 million. Voilà ça. Et voilà la même signature. Et signe trois fois. Quand tu signes, c'est quand tu as ton argent en main. Elle voulait faire la même chose que pour Francis. Voici celle-ci. Le ticket. La preuve du décaissement d'argent. C'est ça. Naïdati. La foyer. Hein? Signature du guichet. Signature du client. Même signature. Maintenant, c'est une histoire avec 6 millions. Ok. Hey, je vais encore appeler Yann, mais je vais pleurer encore chez Yann de Yann. Je vais dire que, oui, on veut me tuer. Je vais encore, je l'avais envoyé l'argent. Je vais appeler là-haut mon gars derrière le demain de Rince. Il va me donner le numéro du Bordeaux. Il va appeler Jean de Yann. Vous ne me connaissez pas. Florence, attends, je te montre. Hein. C'est le message de RIA de Paris. C'est pas le RIA de France. C'est le RIA de France. Ce sont eux qui m'ont envoyé. Je vais te montrer le mail. Tu n'étais pas là au début. Voici ça, Florence. Ça, c'est le mail qu'ils m'ont envoyé. C'est Lénangué, RIA Transfert. Bonjour, merci de trouver en attaché la preuve du paiement de transaction. Voilà ça. Voilà, je vais te montrer la preuve du paiement. C'est le même numéro. Si tu as vu le numéro là, non. F11 95 77 32 94. Voici ça ici encore. Voici le même numéro. F11 95 97 39 97. Voilà ça. Le même transfert que j'avais fait. Et il m'a envoyé les preuves. Ma chérie, c'est un plus ça. Maintenant, c'est 6 millions. 6 millions que j'ai plus 6 millions. Je peux t'escroquer 6 millions, maman. Voilà les mêmes preuves. Hein. Voilà ça. La fille, ce qui me fait mal, c'est que la fille reçoit l'argent. L'argent est dans sa poche. Elle passe à soi dans la voiture, elle pleure. Merde, tout ça. Non, mais moi, ça me traumatise, quoi. Je dis, mais j'ai jamais eu ça. Mais comment tu peux faire ça, ma soeur? Voici ça. La preuve, on dit que trouver en attaché la preuve de paiement de transaction. Quand ils vont encore dire que non, j'ai fait, non, elle a menti. Voici 11. 95 77 32 97. Ah. 11 95 77 32 97. Ça, c'est moi qui envoie. Voici mon nom ici. Voici mon nom. Voilà son nom. Elle a pris. Ils m'ont envoyé les preuves. Ma chérie Florence, comme tu n'étais pas là. Voilà. Ça, c'est le bordereau. Ça, c'est sa pièce d'identité. Voilà. Tu as vu, non, Florence? C'est pas moi. C'est pas le Cameroun. C'est rien de... Voilà.
Les documents d'une compagnie de transfert d'argent sont confidentiels à moins d'avoir une autorisation judiciaire. Ah, dis donc, dégage, ouf. Va là-bas. Je te bloque. Ouf. Va là-bas. Chouane. Va porter plein à rien. Maintenant où je suis allé. Maintenant où je suis allé, mot. Maintenant, c'est là que les documents. Quand je n'avais pas publié. J'ai dit hier que je ne voulais pas publier ça. Oh, tu ne publies pas, pourquoi? Tu mens. Oh, c'est là, j'ai fait le direct, j'ai montré. Oh non, si elle est une femme, elle montre les peu. On montre mais elle est peu. Ce n'est plus ça. Oh non, ce n'est plus ça. Le numéro, nous sommes le 32. Ce sont récépissés qu'on a photocopié. C'est là, le truc de 30, le 30-01-2023, là, c'est la date d'expiration de son récépissé. Vous voulez encore dire quoi? Maintenant, on va aller maintenant sur les preuves. Nous irons maintenant sur les preuves. Elle a dit que, parce que depuis qu'elle a mis les sommes là, je n'ai pas vu une somme où elle a dit qu'elle a envoyé 1750. Vous vous rappelez le jour que j'ai appelé Riano? C'est le monsieur derrière là qui me dit que vous l'avez envoyé 1750 euros telle date, telle date. J'avais même déjà oublié. Je vais aller chez le petit là. Demain, je l'appelle ou je me déplace avec là-bas à Ria. J'ai dit que gata pour son nom, sors-moi l'argent que tu l'avais envoyé. Il va sortir, ça, il va me donner. Je vais venir m'asseoir devant vous encore. Il va appeler les gens derrière. Il va commencer à pleurer. Oh, on m'a tué. On a dit que j'ai voulu. Je vais les prendre. Ils vont m'envoyer ça. Dimanche, je m'assois avec. Et je ne parlerai plus jamais après dimanche là. Tu amènes ta plainte. Je vais me présenter. Ce qui est sûr, c'est ça. T'inquiète pas. Voilà. Coucou. Maëlys, laisse un peu. Est-ce qu'ils parlent même de quoi? Donc, depuis que j'appelle, ils ne sont pas souvent là. Ce n'est pas confidentiel. Si elle ne veut pas porter plainte à rien, ce n'est pas moi. Ce n'est pas confidentiel. Quand tu... Parce que les gens derrière amènent d'abord les enquêtes avant d'envoyer ces documents. S'il y avait faille, ils devaient rembourser l'argent. C'est comme ça qu'ils font. Quand il y a failli, ils remboursent. S'il n'y a pas failli, ils t'envoient les documents. Car avec ça, tu peux te présenter n'importe quel devant la justice avec. Ils assument. Tu me dis quand il y a l'argent présidentiel. Mais là, c'est ça. On dit à Batanga que Yoni, la honte. C'est pour ça que vous faites ça du dimanche. Elle a qu'il a envoyé seulement 200 millions. Il va te prouver que tu as envoyé presque 8 millions. J'ai toutes les preuves. Presque 8 millions de francs CFA. Moi seul, je t'ai fait gagner ça. Et maintenant, tu vas aller porter plainte à ta justice. Nous irons là-bas. On a fait les soldes. Tu as dit, oui, fais les soldes. J'ai mis un acheté, un offert. C'était 140 paquets. Et toutes les clientes, si vite a sorti, je vais faire un appel à toutes les clientes qui ont eu les un acheté, un offert. Tu vas voir. Tu vas me faire ça. À qui? Tu es malhonnête. Je suis de venir sur Facebook. J'ai dit aux clientes qu'un acheté, un offert, un acheté, un offert. Les clientes viennent, je donne le haut, je donne un, je ne donne pas deux. Ici, dans les réseaux sociaux aussi. Vraiment, tu me fais rire. C'est pas dans Facebook. Tu as voulu me salir pour te faire voir. C'est celle-là qui dit que j'ai créé Bami Power. C'est devenu une histoire tribale. Mais enlevez ça, c'est pas bien. Nous sommes tous des Camerounais. Si j'ai tort, dis que l'autre a tort. Mais vous m'apportez les points, vous dites que j'ai tort. Ne cherchez pas à vous. C'est parce que ma chère. Comme a dit la veuve, tu n'avais pas vu la veuve, je vais pas aller voir. Pourquoi elle a été fait ton commerce? Toutes les filles et camarades qui étaient sur les réseaux sociaux, pourquoi tu n'es pas allé les voir? Tu es venu voir la boyeuse, j'ai aboyé, fatigué à tes yeux. Tu es venu me dire que quoi? Mouf, va porter plein de chouan. Mouf, va en courant. Imbécile, va. Oui, au Cameroun, c'est votre village. Va porter plainte. Imbécile. Cours vite en partant. Cours. Je me fais même choco, même les gens avaient ça, que de te donner l'argent là. Jamais. Jusqu'à la terre finie. Tu la tombes à fond, maman. Je me fais même choco. Que toi, que. Je peux aller donner ça aux orphelins qui te donnaient ça. Pas, ils te doivent même pas 5 francs. J'ai bien dit qu'ils avaient donné l'argent. On a commencé 100 000. Tu vois, des pains. Les deux premiers envois, je n'ai rien coupé dans ça. C'est quand on a réparé quelqu'un, non, bah, il n'a pas fait le commerce, qu'il m'a soir à la poste de 7h jusqu'à 13h du matin pour rien. C'est moitié moi. Tu gagnes, je gagne. Tu es d'accord? Oui, tu as dit oui, je suis d'accord. Je te montre le contrat où tu as dit que vendre le paquet à 20 000. Et moi, le contrat que toi-même tu as signé, le contrat là, c'est dimanche, c'est toi-même qui as signé à la présence de ma belle-mère. Tu as signé, elle a signé avec ta pièce d'identité que tu. Je vais faire ça rien parce que même qui me donne ta pièce d'identité que tu vas vendre. Parce que sur le contrat que tout le monde a signé, c'est ta carte d'identité que tu avais avant, c'est le numéro de ta carte d'identité. Je vais faire ce qu'il veut faire demain là, parce qu'il veut qu'il me donne ta carte d'identité. Et ils vont me donner ça. Voilà, ils vont me donner. Tu ne me connais pas, hein? Ils vont me donner ta carte d'identité que tu as. Parce que quand je suis venu, quand tout le monde a fait les échanges là-bas sur ma belle, tu avais la carte d'identité. C'est la carte que tu avais, je me rappelle bien.
C'est moi qui ai pris ça. J'ai mis les numéros de ta carte. Je vais faire ça. Je vais aller encore. Je vais appeler. Demain, je m'en vais à Ria chez le gars là. Il me donne le numéro là. Le numéro du Bordeaux. J'appelle Ria. Je pleure. Si je tombe encore, je pleure. Je menace d'avoir les femmes là. Je leur dis que je suis dans la merde. Je le menace. Elles vont m'envoyer encore ça. Avec ta pièce d'identité. Et là, maintenant, on va quoi? Je vais alors montrer le contrat et ta pièce. Tu vas me dire où j'avais pris ta pièce d'identité pour noter le numéro de pièce d'identité. Vous aimez souvent tendre. Voici le contrat. Il ne faut pas que demain, tu ne vas dire que. Je vais laisser le direct. Il ne faut pas demain que tu veuilles que j'étais allé chez rien. Ils m'ont donné ta pièce d'identité. Voici le contrat que toi et moi on avait fait. Moi, j'ai tout. Voici notre contrat ici. Bonne année, Rokoki. Douala, le 11-2022. Je suis. Voilà. Messina. Voilà. Clarisse. La vente exclusive. C'était les ventes de Joël Américain. Voici ton numéro. Pardon, il faut que vous... Je vais garder ça ici. Parce que vous parlez de même indiquer. Non, ce n'était pas ma pièce d'identité. Elle avait volé. Je n'ai pas encore appelé rien. Voici ça ici. Je laisse ça là. Ce que tu avais avant. Voilà. Je vais laisser ça dans le direct là. Allez, je ne fasse pas le direct. Ça va rester là. Et quand il va payer, il va me donner ta carte d'identité qui a le même numéro aussi. Signé. Qu'on avait signé. C'est vrai que moi, j'ai signé là. Ma belle m'a signé ici. Et toi, tu as signé là. On ne ment pas sur quelqu'un. Tu es venu tomber. Tu voulais faire la même chose que Francis. Francis et Tata Aline. C'est ce que tu voulais me faire. Tu as eu la honte, tu as eu la honte. Voilà. Maintenant, ma chérie, après dimanche là, je ne parlerai plus jamais de ça. Le jour que je vais au Cameroun, je vais te prendre la veuve au direct. Tu me dis dans quel commissaire elle me présente. Tu sors tes preuves, sors mes preuves. C'est tout. Voilà. Je vais te montrer que le Cameroun, là, c'est pas pour toi seul. Si Wapota dit que au Cameroun, on arrête les gens, autant les envoie en prison, elle va lui dire que non. Et toi, tu étais venu m'appeler. Tu viens dire que. Quand tu es venu dans mon direct, tu as dit que les autorités camerounaises ne s'occupent pas des militaires de. Du nozo. Tu venais pleurer, ça c'est moi qui t'avais écouté. Et tu t'assois au Cameroun, tu dors bien. Moi, je m'en vais à la. Je m'avais récupéré le colis. Je t'ai dit que m'appelle-moi en vidéo, je suis devant le gars. On compte les colis là ensemble. Appelle-moi en vidéo. On compte ça ensemble. Il m'a donné un paquet, un plastique ouvert. C'est ouvert, ce n'est pas fermé. C'est ouvert. Appelle-moi, on compte. Tu dis non, laisse. 9 paquets partis. Demain, tu dis que c'est parti. 28 paquets. Regardez le mensonge de la fille. 28 paquets. 36 paquets. Ne viennent que 28 paquets. On t'a dit que. Voilà, Gassien. Maman, on avait dit que c'est 20 colos. Donc, on te donne l'an de 20 colos. Reste là, ça ne te regarde pas. C'est comme ça. Et pas autrement. Avec contrat la puce. Avant ça, tu faisais à 22 500. Voilà, 22 500. C'est tout est là. Peut-être que tu as perdu ton WhatsApp, Emma. Moi, je n'ai pas perdu ma part. Je n'ai pas perdu le WhatsApp. D'accord, chérie. Je n'ai pas perdu, j'ai tout. Même pour ma petite soeur, moi, je savais parce que tu traitais avec elle. Parce que je t'aime pour comprendre ce que vous faisiez là-bas ensemble. Avec moi, j'ai tout. Pour moi, il faut du mal à digérer que j'ai mis aux yeux du monde. Et si elle continue, je vais encore montrer d'où elle a volé là. Je vais encore aller publier ça sur la carte ouverte. Je vais publier ça demain matin. Elle a volé. C'est une voleuse. C'est pas moi. Tu as oublié. Merci Florence. Florence, c'est pas moi qui ai envoyé. Peut-être que tu crois que c'est pas rien du Cameroun. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas envoyer ça parce que il n'y a qu'à. Il n'y a que Ria de France qui peut leur demander ces documents parce que c'est confidentiel. Voilà. Donc j'étais obligé d'appeler. Comme vous avez vu toute la semaine, comment j'ai fait la pression sur les gens derrière là. Au final, ils ont envoyé. Quand ils m'ont envoyé ça, j'étais content, j'ai sauté.
quand je viens voir un récépissé, on a mis la date de prolongation du récépissé. Oh, pourquoi c'est le temps? Oh, pourquoi c'est le temps? Elle a pris. Elle ne savait pas que le système de RIA, ce n'est pas comme le système du Cameroun. Elle s'est dit que RIA, là, c'est RIA du Cameroun, ça va s'arrêter là-bas. Mais les Européens, quand ils ouvrent les sociétés, ils mettent tout. Ça veut dire qu'ils ne s'amusent pas avec les sociétés. L'État peut les poursuivre. Une affaire d'argent, il y a les traçabilités. Ça ne s'amuse pas. Ça ne s'amuse pas ici en Bénin. Parfois, tu te retrouves en train de payer les dettes que tu crois qu'ils t'ont oublié, ils te disent que viens payer telle dette, tu dois comme ça. Ils n'oublient pas. Nous sommes en Bénin. Tout se passe dans les ordinateurs. Les gens derrière m'ont dit que calme-toi. Si elle a envoyé, nous on va. Si elle a pris, on va t'envoyer les preuves. Si l'argent a disparu, on va vous rembourser. Si l'argent a été volé, on va vous rembourser. Parce qu'on sait comment ça se passe. Ce document-ci, quand tu vas prendre l'argent à rien, quand le gars tac, 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 il voit qu'il y a l'argent dans la. Il voit qu'il y a l'argent dans la machine. Avant de te remettre l'argent, il te demande ton récipient. Il remplit derrière ton récipient. L'argent est déjà là. Toi-même, tu as vu comment il a compté l'argent en main. Il te demande ton récipient. Là, il remplit, tu signes, il décharge. C'est comme ça. Ce n'est pas le genre que tu dis, on te dit que on prend ton truc, on dit que oui, ton truc est fini. Et j'ai remarqué, j'ai fait les enquêtes avec mon oncle. On a regardé où tu habites et l'agence, le temps que tu as pris, ça fait 45 minutes. C'est maximum 45 minutes que tu as fait. Et c'est les 45 minutes que tu as récupéré l'argent là, arrière. Tu viens, tu pleures. Tu as l'argent dans ton sac. 200 000 francs qu'on t'a déjà donné. Tu viens, tu fais le direct, tu verses les larmes. Ma Dieu là va te frapper fort en 2023. Tu vas dire que yeah, qui m'avait dit d'aller attaquer la fille là. Quand tu prenais l'argent, merci Lolo. Décembre passé, tu m'as dit que ouais, maman, j'ai tellement vendu, merci beaucoup. Prends 100 000 pour toi, tu te payes un cadeau, tu prends 100 000 pour lui, tu payes ton cadeau. Tu as oublié que tu m'avais dit ça. C'est tout là, c'est là les captures. Moi, je n'ai pas jeté, tout est dans les captures. Tu quoi? Non, Florence, elle a cru que Ria, là, c'était Ria qui s'arrêtait au Cameroun, elle ne savait pas. Elle a voulu, parce que le jour-là, Francis avait dit qu'il n'a pas touché l'argent d'Aline. Donc, elle a voulu faire la même chose. Ça n'a pas donné, ma. Moi, je vais jusqu'au bout avec toi. Voilà. Tu demandes à quelqu'un de faire. Fais le. Florence, je crois que toi aussi, tu as acheté un acheté. Florence, tu as acheté ça, non? Un acheté. Un offert, je crois bien. Je crois que je t'avais envoyé 4 paquets. 2 achetés, 2 offerts. Je vais bien me renseigner un peu voir. Je crois que toi, tu as eu la promotion, la Florence, si je ne me trompe pas. Je te dis, hein, Julie, Julie Loé, je dis, mais cette fille-là, je pense que c'est pas elle, c'est pas la même personne. Hein. Elle va avoir double personnage. Hein. C'est pas la même personne. Bon, bref. Je crois que Florence, toi aussi, tu as acheté la promotion, là, non? Un acheté, un offert, je crois bien, si je ne me trompe pas, tu as eu cette promotion aussi, un acheté, un offert, je crois, parce qu'il y a beaucoup de clients qui sait qu'elles ont pu un acheté, un offert, voilà, tu as pu un acheté, un offert, voilà, il y a beaucoup de clients qui ont pu un acheté, un offert. Elle vient s'asseoir avec Wafo. Elle dit qu'elle n'a pas fait la promotion. Vous êtes malade. Quel est ce qu'elle vient dire là? Elle a acheté, elle nous fait. Les gens viennent acheter. Je viens leur dire que non, c'était la fausse promotion. Voilà Florence. Florence n'est pas américaine. Florence est de l'Est. Elle est de l'Est. Hein. Et elle commente partout. Elle ne commente pas seulement chez moi. Elle est libre. Elle commente où elle veut. Voilà un client, Sylvie Tenier. Je vais faire appel à tous les clients qui ont fait un acheté, un offert. Toi-même, tu vas voir ça en live. Qui t'a dit combien? Moi, je suis une fille qui ment. Et tout sauf malhonnête. Hein. C'est un truc que je déteste dans ma vie, être malhonnête. Je n'aime pas ça. Tout sauf ça. Parce que j'ai la grande gueule. Non, tout ce qui est faux là, je ne suis pas dedans. Et peut être même fausse avec un white, pas avec un noir. Bon. Quand donne la waffle, waffle vend normal. Que waffle vend? Ouais. Pourquoi les petits tournent?
Est-ce qu'elle osait dire que Julie, que la mère, qu'elle m'a donné 300 ou c'est 2 700 000. J'ai Wanda, je suis la galère. Vraiment, mon petit fait à Orange Money. 1 500 000. Dans les catalogues, tu as oublié de mettre ça. L'Orange Money de mon petit frère, je vais te faire écouter toi-même comment tu me dis. Comment toi-même tu parles. 1 700 000. Je vais te faire ça, c'est ce que je t'avais donné parce que tes produits resteraient peut-être pour 500 000. Je t'ai ajouté 1 million pour ce que j'ai acheté. Attends. Tu n'as pas fait une fille bête. Moi, je n'ai pas peur de toi. Hein. Vos conneries que tu dis que la pouvait aller à la... Il va porter plainte. On a bloqué Black Beauty. Elle, au moins, elle a la chance que j'ai. Je vais te faire écouter toi-même. Quand tu dis que non, Tata Lolo, non, ton petit frère m'a envoyé 1 million. Tu n'as pas mis ça sur les... Tu t'es captures d'écran là. Hein? Tu ne mets pas ça comment? Tu n'as pas mis. Voilà, ça passe. Je suis au village. Demande le piment doux. Attends, je vais tout mon petit frère en voyage. Oh, je gronde un peu, mais il t'a pas encore fait le transfert là. Comment il t'a pas encore fait le transfert? Tant que j'ai parti du village, je vais demander de te faire le transfert. Les tout, donc c'est demain que j'aurai ça. Donc vraiment, 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 donnez-moi encore d'ici le week-end, s'il vous plaît. J'aurai ça. Merci. L'aéroport, merci. Le côté marketing, bon, je sais pas, mais il est primordial des... Il n'y a pas de souci, Tata Lolo, il n'y a pas de souci. Oui, Tata Lolo, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, j'ai commencé à faire, je suis presque à... Oh, le voice c'est là. Le 14 février, j'étais au village. Florent, tu as les nouvelles de notre sœur là. Simone. Bonjour, Tata Lolo. Alors, la dame m'appelle, je suis au lieu. Il y a les détracteurs qui sont là. Hein. Maman, je suis là, souffre sur mes pages. Hein.
Dès que je fais tchac, maman peut travailler pour quelqu'un comme ça. Même quand elle clashait les blogueurs, je ne travaille pas pour eux comme ça. Aïe! Les filles vont rire jusqu'à. Oh, c'est où le tu de l'avenir, la titan? Alors que j'ai écouté le voice là. Voilà, c'est ici. Là, c'était un autre dépôt que j'ai dit qu'elle avait laissé le voice. Le petit vient de me faire le dépôt. Merci pour tout. Machine, s'il te plaît, tu peux m'appeler, c'est le 1 500 000. Vu que c'est ma belle-mère, c'est elle qui nous avait filmé, même. Elle m'a envoyé les photos. Vu qu'on a filmé. Et tu viens t'asseoir sur tes boutiques, tu sais quoi. Celui qui met les têtes de mort bloquées. Tu seras bloqué, donnez-moi juste le nom. Vous n'avez pas encore pleuré. Les pleurs du bol et de ça. On peut pleurer comme ça, Adama. Aïe! Oui, c'est l'agent là, non, je dis qu'il avait fait le. C'est toi qui avais fait le RIA. Oh, la fille a eu l'argent de partout. Hein. Tu m'as envoyé, Julie. Ou c'est moi? Je sais pas, vous maîtrisez Facebook plus que moi, dites-moi si je peux écrire ça sur mon mur. Merci. Bonsoir, Tata Lolo. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens vers vous là parce que. J'ai dit que je ne parlerai plus jamais de ça après dimanche. Là, moi, je vous dis que c'est très terminé. Ouais, Simone, est-ce que c'est moi qui ai envoyé? Envoie-moi un peu, Julie. C'est le RIA là que je te dis que j'avais envoyé chez le gars là, mon 1750 euros. Il va me donner ça demain, t'inquiète pas. Dès que tu avais envoyé, j'ai ajouté ce que j'avais envoyé. Il va me donner ça demain, on va appeler et on aura sa pièce d'identité. Ouais, elle est venue tomber sur les mangos aussi.
T'inquiète pas, Julie. Je vais toute la semaine, si je cesserai mon travail, quand je me réveille, je vais accélérer. Ma, voici ça, c'est là. J'ai retrouvé L'Oréal. Depuis qu'elle m'a capturé, elle n'a pas mis ça. Hein. Voilà son nom. Demain, je vais appeler les gens qui vont me donner sa pièce d'identité à partir de ça. À partir de ça, demain, 1724 euros. Voici ça. Hein. Ma, tu n'as pas mis ça sur ton compte. Parce que dans tous les trucs que tu as mis sur ta page, je ne l'ai pas vu. Hein. C'était le 1er mars. Non, le 1er avril 2022. Tu n'as pas mis ça. Voilà ça. C'est ça ici. Voici le nom que tu m'avais envoyé. Je t'ai envoyé ça. Demain, je retrouve ça. Tu auras ta pièce d'identité. Demain, j'appelle rien. J'ai fait le même scénario. Ils vont m'envoyer tout. Voilà ça. Tu n'as pas mis dans tes tuyaux que tu as reçu 1 million de fois. Je te montre encore. Je n'ai pas reçu 1 million de fois. Oh là. Même si c'est parti, je vais prendre ça chez les filles. Voilà où je dis que je lance la promotion demain. Ça va aller. Toi qui dis que tu ne savais pas que j'ai fait la promo. Waouh! On peut faire ça, maman. on peut faire ça, maman. On peut faire ça. Toi-même, tu réponds. On est changé. On peut faire ça, maman. Tu n'as pas dit que tu ne savais pas. Hein? Tu peux. Oh, tu me fais de la peine, ma chérie. Voici encore notre créature qui te manque. Tu as eu la venue. Voilà. C'est encore notre 1 million. Je te dis que j'ai réuni 1 million. Je t'envoie, je vais te montrer, je t'envoie ça. Par exemple, de capturer, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Moi-même, je Wanda. Bonjour, Tata Lolo. J'espère que vous allez bien. Bon, je ne vais pas mettre tes voix. Ça, c'est Michel Appelgaard. Tu avais dit qu'elle traitait avec rêve. Ça n'a rien à voir avec rêve. Ça, c'est elle, toi et moi. Tap, tap, c'est. Il y a tellement d'envois. Hé, hey, Tangasi. Waouh. Ah, maman, est-ce qu'on fait ça? Allez dormir. Ouais.
Bonne nuit, mes gens, bonne nuit. Comme je vais dormir. Bonne nuit, non, et bonne année. On se dit à dimanche, parce que j'aurai à faire toute cette semaine-ci pour réunir tout ce que je dois réunir. Bisous, bonne nuit, bonne année. Bye.